gens plutôt ouverts qui m'ont dit, écoute, y compris dans mon propre parti, je dois l'avouer, appelle ça autre chose que mariage, et ça ira. Non. La charge symbolique du mariage est très forte. Et elle est considérable dans notre société, et elle est structurante. Je suis absolument pas d'accord avec votre affirmation, dans la mesure où le mariage est une institution qui a pour finalité, historiquement parlant, la procréation. Or, on sait tous que... naturellement, un couple de personnes de même sexe ne peut pas procréer. Donc, effectivement, si on ouvre le mariage aux couples homosexuels, on change indéniablement l'institution du mariage. Le pacte, vous savez, est possible en droit français depuis 1999, et d'ailleurs, il a été créé pour calmer, entre guillemets, les revendications des couples homosexuels. Et dans la pratique, on se rend compte que le pacte n'est absolument pas contracté par des couples homosexuels, mais par des couples hétérosexuels à 95%. Effectivement, je suis d'accord, il fallait nécessairement augmenter les droits des couples homosexuels, mais passer par le mariage ne me semble pas juridiquement opportun, eu égard à cette fameuse présomption de paternité dont vous n'avez pas su quoi faire véritablement. On a su dès le début qu'on n'allait pas toucher le 312 du Code civil, la présomption de paternité, parce que les couples homosexuels ne sont pas concernés naturellement par la filiation par le sang et donc par le titre 7 du Code civil. Donc toute la démonstration sur fallait-il présomption de paternité, présomption de parenté. Effectivement, les Canadiens, les Québécois en tout cas, ont choisi cette présomption de parenté en appelant la mère et la co-mère. C'est pas possible dans le droit français. C'est la réalité au Québec. Bon. Chez nous, c'était inenvisageable. Je ne dis pas que la question n'a pas été abordée dans des auditions, et singulièrement un certain nombre d'associations LGBT le demandent. Ils demandent l'application de la présomption de paternité. Ça nous est absolument pas. Elles ont le droit. Elles ont le droit de le demander. Mais il ne nous est pas apparu évidemment au point de nous sommes le peuple, nous sommes le peuple, nous sommes le peuple.